Salut à tous. Aujourd'hui, pour l'introduction, je trouvais ça plus sympa de vous montrer des plans de drones. Donc, c'est des plans qui ont été filmés sur l'île du Frioul à Marseille avec Adrien lors d'une balade. Donc, au petit crabe, pas la peine de vous précipiter sur les spots, c'est pas là où on a pêché. Et donc, c'est une vidéo un peu longue aujourd'hui. J'ai regroupé plusieurs sessions, j'avais fait un sondage sur Instagram et j'ai demandé si vous préférez des sessions courtes ou qu'il y ait plusieurs fiches et quelques beaux poissons. Donc voilà, je vous ai mis plusieurs jours. Je crois que ça a été filmé sur une semaine et demie ou 2 semaines. Donc j'ai mis tous les jours les uns à la suite des autres et vous verrez qu'il y a quand même du joli poisson et du plus petit, sabro, macro, pélamide. Donc il y a pas mal de jolis rayons, donc restez jusqu'à la fin. Et voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu à aimer la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça fait toujours du plus pour le référencement et ça m'aide pas mal. Voilà, à plus les gars, profitez bien. Bon ben voilà les gars, premier lancé, ah j'aurais pas dû couper la vidéo, premier lancé, poisson, hop, je sais pas ce que c'est, c'est moins du sabro. Ouais, comme ça vibre. Ouais, un sabro. Hop là. Bon ben, le joli sabro quand même, hein. Franchement pas mal. Hop. Non, non. Bravo. Ouais. Là, je suis désolé, c'est pas très respectueux, mais c'est pour éviter qu'il tombe dans les cailloux là et qu'il se passe mal, donc je préfère le jeter un peu comme ça. Ça commence bien, coloris macro, payant sur le Visa Loca. Là, je suis en 28 grammes, après je vais montrer. Jamais, peut-être s'il y a un passage de pélamide ou quoi, ça peut être intéressant. Mais bon, petite session qui commence bien, un lancer, un poisson. Je vais remettre inside pour pas trop gaspiller la batterie et pas avoir de vidéo trop longue. Allez, à plus. Voilà, coulé, pas bien gros, c'est gros ou poisson lézard sûrement. Ouais, c'est gros. Voilà, c'est gros. Poisson,
Et ça n'a pas l'air vilain. Sûrement du macro. Macro. De la cola. Pas vu de trop pour la cola. Pas vilain. Je sais pas ce que c'est. Fais là, tu fais là. Et là, les alocas roses. Il n'y a pas les alocas, pardon, et le jig. Alors, je fais ça. Voilà, comment je vais m'arrêter. Hop là. Et on est bon. Petit peu là. Ça fait très très plaisir. Ça va repartir à l'eau. Elle n'est pas très grosse. Je pense qu'elle doit faire le, à peine 2 kilos. Ah. Ouais, elle doit faire 5 kilos quand même. Elle doit faire 5 kilos. Wow. Les petits savons dans les pieds. Calme-toi. On ne veut pas se laisser faire. Point de crochet, voilà. C'est gros. J'ai un petit coup de tête. Je vais pas à mon copain. Encore piqué sur le trip derrière. Voilà, le crochet.
premier lancer. Isaloka 60 grammes. Je pense que c'est une Pella. C'est une Pella. Une jolie en plus. Donc on est dans la rude épreuve, la Choukan. C'est une jolie Pella. Elle veut pas s'arrêter. Allez, on va la fatiguer. On va pas se précipiter. Descendre pour la salabrer. Je sais pas trop comment je vais faire. On va bien. Faut que je donne des mots. On est là. Pas si énorme, mais elle m'a fait un super combat. Hop, premier lancer. Je me suis dit, vas-y, j'arrive pas à pêcher en 20 grammes. Ça semblait léger, j'arrive pas trop à faire couler. Alors, je suis passé sur le Isaloka que j'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps. Hop, en 60 grammes. Premier lancer, fichonne. Magnifique, je suis trop content. Je connais pas. Ça a l'air bien dense, ça doit partir loin. Ouais. Là ? Je sais pas. Non. Et là où macro, je sais pas. Isaloka 60 grammes. De quoi tester la chocade à la coulée, frère. Hein ? À la coulée. Je pense pas que ce soit une Pella, je pense que c'est un macro. Quoique ça vibre, hein. Hier il m'a vibré, hein. Ouais, ah, c'est un macro sûrement. Sur le teaser. Ah, il est vachement rayé. Vas-y, tiens-le, garde-le. Attends. Ouais. En fait, il est tiré plus sur les. Les crues ? Sur les arêtes et tout, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est pas gros. Ouais. Je pense que c'est du sèvre ou du macro, ouais. Ouais, c'est du sèvre. Ça vibre bien, mais
Le fait d'avoir mis un jig plus gros, j'ai l'impression que ça réveille leur prédation, tu sais, en mode il est en train de chasser, tu vois. Peut-être. Je pense que c'est sur le teaser, hein. Oh, ça vibre bien, hein. Ça va être du sabre. Eh, quoi que, vu comme ça vibre. C'est là ? Non, non, non. Ça met de la vie. Ouais, j'ai pris loin. Eh ouais, j'ai pris loin. C'est gros sur le teaser. Hop. Là, le fait d'avoir mis un jig plus gros, j'ai vraiment l'impression que ça... Bien piqué. Allez mon pote, retrouve la mer. Ouais. Bizarre loca. C'est les Giga Christian ça. Ah ouais. Il m'a mis un roost avec. La première fois que je suis allé pêcher avec lui, il avait dit hop. Ah, poisson, ouais. Là. À la coulée, frère. À la coulée. Magnifique. Bon, Christian dédicace, tu vas t'entendre du coup. Putain, mais après la coulée. Elle est plus petite qu'hier. Ouais, elle est plus petite. Je sens les coups de tête. Mais elle se défend bien. Tu te sens, tu ouvres le sable, frère, et... Putain, j'ai encore du frère, faut que j'arrête là. Bon, ouais, surtout comme si elle part à droite, elle va prendre le fil, je pense. Quoique, elle est pas forcément plus petite. Ah, c'est vrai ce qu'elle m'a dit. Ça vibre pas mal. Et j'ai senti un coup pendant que ça coulait, du coup je sens du mou, du mou, du mou. J'ai repris contact, j'ai fait un ferrage, j'ai cru que c'était un 7 euros. Putain, par contre. Elle est belle. Ben je pensais qu'elle était petite mais. Elle veut pas venir hein. C'est loin là ou pas? Ben ouais, t'es quand même prendre du fil. Et je l'ai surtout que j'ai pris à la couille, donc j'ai pris au moins 70 mètres. Allez. Pompé court. Ça veut pas venir. Hop là, c'est bon, bien. On est déjà à 2 minutes 30 de combat, ouais. Putain, tu me redresses un peu la vidéo. Allô ? Ouais. Pas trop. Elle fait mal au bras et tout. Je pensais que t'es une petite. Ouais. Bah après peut-être elle est mal piquée, tu sais pas, tu sais si elle pique sur le dos. Ou... En plus j'ai les tout petits assists. Je vois pas là. Je sens pas ça lourd, c'est ça qui est bizarre. Elle est là, elle est là. Elle est un sur... Ouais, elle est pas grosse, hein. C'est pas une pala. Si, c'est une pala. Ouais, elle est pas vilaine. C'est une pala, c'est une pala. Elle est pas vilaine. Elle est longue. Ouais, elle est longue. Hier aussi, elle était longue. Je vais pas trop la brider. Allez, tu vas la fatiguer. Non, non, elle est piquée. Piquée dans la bouche. Tiens, 3 près. Je sais pas si je vais pouvoir lui sortir la tête de l'eau comme d'habitude. Ouais, si. Hop. Elle vient par là, mon pote. Hop, pas dans la roche. Hop. Vas-y.
Ah. Yes. Hop. Yes. Ah non, elle est pas si mal en fait. Ouais, elle est belle. Elle est vraiment pas mal en fait. Elle est costaud. Hein. Superbe couleur. Punaise. Bon ben, encore une fois, l'Isaloka rose. C'était pas exactement le coloris hier. Hier, il était beaucoup plus blanc avec juste un trait rose. Il est plus rose sur le dos, à la coulée. Voilà, super poisson. Un régal, vraiment un régal. Hein. Combat de 4 minutes presque. Magnifique. Merci Adri pour le salade. Ouais. Aïe aïe. Je me remets de mes émotions. Ah, c'est oufissime. C'est oufissime. Allez, on va faire quelques photos, on va la peser. Super poisson. Isaloka 60 grammes. Un régal.